Désolé pour cette interruption de notre programme. Jack Ryder est en direct de la baie de Gotham avec des scoops. Ici Jack Ryder avec des scoops sur la baie de Gotham. On nous signale une prise d'otage sur l'île d'Arkham. Il y a 2 minutes, le Joker a diffusé partout cet horrible message. Salut Gotham, voici la voix de ton... Tu ne connais pas Jack de Gotham? Tiens-toi informé pour le découvrir. Mon maître. Oh, une seconde. J'ai oublié un truc. Ici le Joker. Je contrôle l'île d'Arkham et vous pouvez la considérer interdite d'accès. Si je vois des hommes de loi, vigiles ou armes charitables approcher, je déclencherai des bombes au hasard dans la ville. Qui sautera? Un jardin d'enfants? Un hôpital? Un manoir de friquet? Oh, 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 que de choix! Tous les accès à l'île sont interdits. L'espace aérien est bouclé et des rapports indiquent que Batman lui-même est coincé sur l'île. Nous nous rendons sur place pour vous donner des nouvelles en direct. À vous les studios. Merci Jack, à très bientôt. Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se compte. Et qu'à partir de là... C'est encore un de ces tests d'évaluation psychologique ennuyeux. Non, ce n'en est pas un. Donc, vous êtes le célèbre Joker. En chair et en os. Alors, Doc, vous voulez que je regarde les tâches d'encre encore? La première représente le chat que j'avais étant enfant. La seconde est, voyons voir, un éléphant mort. La troisième... Très drôle. Laissons tomber les blagues. Laisse tomber les blagues. Hé, Chappie, elle n'a pas eu mon dossier permanent? Tu calmes, le clown. Chaque docteur qui vous a interrogé conclut à une psychose différente, allant de multiples désordres de la personnalité au... Eh bien, la liste est interminable. Je fais de mon mieux. Eh bien, je n'y crois pas. Tout peut être guéri avec le traitement approprié. Et vous pensez pouvoir me guérir? Oh, je sais que je peux. J'ai entendu ce qui s'est passé aux infos. Je pensais que ramener le Joker était une bonne chose. Moi aussi. Restez ici pendant que je m'en charge. Oracle, désactivez le système de défense de la Batmobile. J'ai vu l'alerte. Qu'y a-t-il? Où êtes-vous? Je suis à l'extérieur du manoir d'Arkham. Harley Quinn a probablement déclenché l'alarme. Si elle a toujours Gordon avec elle, il pourrait être blessé. Ok, c'est bon. La Batmobile est toujours garée à l'extérieur du bâtiment de soins intensifs dans Arkham Nord. Je vous ai envoyé les schémas de l'ensemble de l'île. J'ai marqué les emplacements clés, comme votre voiture. Merci, Oracle. Vous étiez dehors? Que se passe-t-il encore? On nous a ordonné de venir ici, puis les radios ont lâché. Il passe ce putain d'air en boucle. Le Joker a pris le contrôle de l'île. C'est lui qui vous a envoyé ici. Comment est-il sorti? Je veux dire, vous êtes là et... Un garde d'Arkham du nom de Frank Bowles vous a tous trahis. Il a aidé le Joker à s'échapper, qu'il l'a tué lorsqu'il n'a plus eu besoin de lui. Un peu de loyauté. Vous avez besoin d'aide? Non, vos amis-vous êtes en sécurité ici. Je reviendrai si j'ai besoin de quelque chose. Le patrimoine de cette île a bel et bien été enseveli. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas passer par là. C'est fermé. Où mène la porte? Elle menait à l'ancienne station essence. Le directeur Sharpe l'a fait fermer peu après son arrivée, disant que c'était un risque pour la sécurité. Donc le Joker est... Pas pour longtemps. Bien sûr, tu as trouvé celui-ci facile. Tu étais censé réussir. Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que toi. À ce que... Là... Tu ne me vaincras jamais. Il faisait partie des défis faciles. Quelqu'un m'entend? Envoyez des renforts au manoir! Un défi terminé. Tu peux faire mieux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, oui. Non. Bien. Batman ? J'ai eu peur. Heureusement que je ne suis pas un de ces cinglés. Restez là et ouvrez l'œil. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel radio. C'est à... J'en reviens pas. Ils ont tué Jackson. Restez avec votre collègue. Je mets un terme à tout ça. Maintenant. J'attends un tête-à-tête avec Batman depuis qu'il m'a envoyé ici. Il m'a suspendu d'un immeuble du sud de Gotham. Bienvenue à la fête du Joker! Il est là! Allez! Ça va te calmer. Tu veux le goûter? Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. J'en aurais peut-être besoin. Harley a laissé des traces sur la voiture. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. Je dois isoler une trace pour la scène du crime autour de la Batmobile qui me mènera à Gordon. Entretien avec un patient enregistré numéro 17. Le Joker reste peu coopératif. Mon ancien diagnostic reste vrai. Je crois qu'il aime trop sa personne. What does that? Aujourd'hui, essayons quelque chose de différent. Vous allez me faire rougir, Doc. J'ai une petite amie. Le docteur Quinzel, je sais. J'ai vu les enregistrements. J'ai vu ce qui s'est passé. Que dire? Je suis un charmeur. Passons. Je pensais qu'il serait bon de parler de votre enfance. Déjà entendu parler de romance, Doc. Je ne lâche pas les infos comme ça. Faites plus d'efforts. Que cachez-vous? Vous ne m'avez pas entendu. Grattez-moi le dos, Doc, et je ne vous emballerai pas dans du plastique. Et je ne vous jetterai pas dans un caniveau. Alors comment l'as-tu trouvé? Grâce au gros point d'interrogation vert brillant? Bizarre, c'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée. Il ne la quitterait pour rien au monde. Wild Country, le tabac préféré de Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Oracle, j'ai trouvé une pipe. Les initiales de votre père étaient gravées dessus. Je la lui ai offerte pour son anniversaire l'an dernier. Il ne l'aurait quittée pour rien au monde. C'est exact. Il m'a laissé une piste à suivre. Il est vivant, Barbara. Les portes de sécurité sont fermées. Je vais devoir trouver un autre chemin et retourner sur la trace de Gordon. Le mur en face est assez fragile pour que mon gel explosif le fasse sauter et ouvre un nouveau passage. Je regarde seulement mes dessins animés. Si ça ennuie l'un de vous, rebut de Blackgate, venez me voir. Ne levez pas la tête en ouvrant la porte, ça cacherait la surprise. Et mon expérience. Batman! C'est vraiment un idiot! gaz de l'épouvantail fait-il tomber les barrières lorsqu'il te rend fou? Batman, que se passe-t-il? Les tarés se dirigent vers le centre. Il essaie de prendre le compte. Quelqu'un est sorti. Seulement celui-là. Sorti par... Attendez là. Ici le Joker. Je rappelle à tous les nouveaux résidents de l'asile du Joker qu'ils doivent suivre une règle simple. La punition pour ne pas la suivre est la mort. Savez ce qu'il y a de mieux à propos de cette règle? C'est un secret. Enregistré numéro 20. Le Joker est plus intéressant que je ne le pensais au départ. Quand le projet Titan sera prêt, je suis sûre qu'il sera le cobaye parfait. Bonjour. Aujourd'hui, je pensais revenir à nos précédentes conversations sur votre famille. Bien sûr. Je suis né dans un petit village de pêcheurs. J'ai toujours voulu entrer au cirque, mais mon père ne voulait pas. Je ne vous crois pas. Mon père était flic. Une semaine avant la retraite, la peintre... Je connais l'histoire. De quoi avez-vous peur? Peur? Oui, peur. Il y a quelque chose, c'est évident. Quelque chose qui a fait de vous ce que vous êtes. Et si j'ai trop peur pour m'en souvenir, ça me fait trop souffrir. Alors je peux vous aider. N'oubliez pas, cherchez dans tous les coins et recoins. Je veux que vous trouviez tout le monde. Et personne ne sait pas. Je suis un autre conscient. Mais... Hey, dégage, Fatou! C'est mon moment à moi. Où est Gordon? T'aimerais bien le savoir. Je suis là. Oh, la ferme! Idiote! Allez! Ah, que fait-il ici? C'est trop tôt. Désolé, Poussin. Ne sois pas en colère contre moi. Moi! Petite coquine! Je ne peux jamais rester furieux contre toi. Désolé, Batman. Tu vas devoir trouver un autre moyen. Bye bye, maintenant. Je ne passerai pas cette porte de sécurité. Je dois trouver un autre chemin. Tous les médecins, fouillez chaque centimètre du centre médical. Sérieusement, fouillez chaque salle, chaque bureau et même chaque poubelle. Si un autre médecin essaie de sortir du bâtiment, toi, tu n'en sortiras pas. J'inonderai les chambres de gaz hilarant et te laisserai mourir. Bon sang, je pourrais le faire quoi qu'il arrive, ça a l'air amusant. Entends ça, détective? C'est moi qui applaudis à ton succès. Ah, tu n'entends pas? C'est parce qu'un idiot aurait trouvé ce trophée. Lâchez-moi! La ferme et descends avec les autres. Bouge-toi! Ok, ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. passé. Qu'est-ce qu'on va faire? La fête... Oh! Il est là-haut! Il gèle de n'importe où! Bien joué! C'était donc vrai, il est là! Bye bye, Batman! Lâchez-moi! La ferme et descends avec les autres! Bouge-toi! Ok, ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. On appelle le docteur Chauve-souris. Y a-t-il un docteur Chauve-souris dans la salle? La salle est vide, vous êtes en sécurité. J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rondes de nuit et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Était-il accompagné par quelqu'un? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Il ne voulait manifestement pas être suivi. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devra aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Jung est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien? On est sauvés. Batman nous a sauvés. Entretien avec un patient numéro 21. Nom du patient, Édouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors, Édouard, le directeur Sharpe m'a dit que vous aviez encore gribouillé des énigmes menaçantes sur les murs de l'asile. Il faudrait être diablement paranoïaque pour voir des menaces dans d'innocentes énigmes, docteur Young. Puis-je vous en poser une? Très bien. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes? Puis 2. Et enfin 3. Un homme. Il marche à 4 pattes étant bébé, sur ses 2 pieds quand il est adulte, puis utilise une canne quand il est vieux. Bien tenté. Mais la bonne réponse est un bébé. C'est vrai qu'il marche à 4 pattes, mais couper ses jambes et il ne peut se tortiller que sur 2 membres. Donnez-lui une béquille et il peut boitiller sur 3, vous voyez? Ah, comment pouvez-vous plaisanter sur ce sujet? Facilement, docteur. Ce n'est pas mon bébé. patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Young, notre nouvelle directrice de recherche. Depuis qu'elle a rejoint notre équipe il y a 2 ans, Arkham est à la pointe de la recherche en matière de compréhension du cerveau humain. Bonjour Arkham. Batman! Ne parlez pas, vous êtes sauf maintenant. Mais c'est un piège! Je sais, ce n'est juste pas pour moi. Oh, c'est vrai! Tu es vraiment le plus grand détective! Comment tu réussis, Batou? Oh, bon sang! Venez là, les gars! Voyons si on peut détecter un poire! Je vais éclater. Rappelez encore. Qu'est-ce que vous attendez? Le 1er avril, descendez maintenant. Batman. Ne prends pas la grosse tête, Batou. Je ne fais que te ramollir. Considère ça comme un avant-goût de l'événement principal. Tu verras. Pardon, j'ai essayé de vous le dire. Je ne pouvais pas parler. Du calme. Vous êtes sauf maintenant. Je peux m'occuper de ces misérables malfrats. Que tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Nos découvertes ont conduit à nous demander si la psychose était en elle-même neurotoxique et si les changements potentiellement nuisibles pour le cerveau étaient liés à la durée des épisodes psychotiques. Le projet Titan nous permet de renforcer la capacité des individus à faire face à de tels changements. Nous avons eu des premiers résultats prometteurs, mais c'est après l'arrivée du patient X que nos attentes ont été revues à la hausse. Le patient X a été le catalyseur conduisant à l'adoption à grande échelle du processus Titan. Nous devons tous remercier nos bienfaiteurs pour cette opportunité. Nous représentons toutes les spécialités médicales et offrons une vaste gamme de programmes. C'est le docteur Jung. Ouais, elle peut m'opérer quand elle... La grande qualité de nos soins, associée à l'entraînement pratique de la ville... Aïe, ça doit faire mal. Bienvenue à la ville d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Pourquoi vous faites ça? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche sans la permission express du Joker, j'ai pour ordre de m'assurer que vous serez emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Des amis à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez choisi. Le Joker m'a-t-il spécifié? Pourquoi je peux pas lui parler? Je suis sûre qu'on peut régler ça. Madame, si je dois me répéter, je vais vous faire mal.